Moi vini avec l'impossible. En fait, c'est ça un pile monde pensait disons, mais c'est pas vrai. Il pas impossible. Mais yo plus mettez de monsieur ça en face. Gen moun ki di Wendy pifo que fantôme. Gen moun ki di ah fantôme pas arrivé dans pied Wendy. Gen moun ki fait l'inverse qui dit Wendy pas arrivé dans pied fantôme. En fait, ça gen environ 10 11 ans là depuis débat s'arrêté yo seule façon. Wendy pifo, l'autre l'a dit fantôme pifo. Eh bien je dis nous pral parler comment un pile monde et comment nous t'as souhaité que deux monsieur Sao soient instrumental ensemble. Gagné Papa Rap là, tout le monde connaît qui c'est Fantôme Tapajea et puis gagné King Rap là qui c'est Wendy Traka. Mesdames, messieurs, amis, familles, fidèles internautes, Lexontopio, comment nous y est? J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Bienvenue dans l'émission Test One Two. Je dis à nous porter une collaboration musicale pour très spéciale. Deux rappeurs bien jam, bien red. Et bien, mesdames, messieurs, amis, familles, fidèles internautes, Lexontopio, nous rentrons directement dans le 22e épisode émission Silla. Et nous avons invité avec nous qui prend bon plus d'informations. Comment monsieur t'a souhaité que Papa Rap là avec King Rap là collabore sur un instrumental ensemble. Et bien émission a fait outli et vraiment apprécié la façon que nous-mêmes n'a pas commenté, n'a pas like et n'a partagé vidéo nous. Continuez faire ça. Et bien n'a profité de madame messieurs, émission ça li pas tellement longue parce que ou pral simplement joindre toute information essentielle et Lexon Top nan mikwa bien red bien jamboulbo information dans 22e épisode là. Et bien madame messieurs, ou pral tande comment que les fanatiques là t'a vle que monsieur yo collaborer. Ou même ou capable participer dans l'émission si là. Songez que me dit ou li très simple. Donc m'ta remè que ou participer la donne. Quittez un commentaire dit ou t'a souhaité participer dans l'émission ça parce que parfois commentaire yo ban nous encouragement. Commentaire yo mandé pour nous changer quelque bagay. Mais si ou même ou participer dans l'émission ça, ou capable poser pion pau dans l'émission si là et ou vraiment jeune intérêt pau tant ou même qui c'est youtubeur donc qui gagne channel qui gagne quoi que ce soit. Donc ou ka tout profiter faire promotion dans Lexon Top, donc c'est gratis pour faire promotion dans Lexon Top, mais faut qu'on participe dans l'émission Test One Two. Mesdames, messieurs, amis, familles, fidèles internautes, Lexon Top, yo, nous prenons le bon temps de Kounia là, comment déclaration est faite dans le micro Lexon Top. Mais avant ça, s'il vous plaît, profitez like pour montrer que vous appréciez le travail que nous faisons et abonnez-vous à la chaîne là et activez la petite cloche de notification pour capable recevoir toutes dernières vidéos et surtout émission Test One Two. Nous pas prêter en pile, on permet que vous capable de faire tout bagaille et puis nous même nous venir après pour analyse et détail concernant la collaboration musicale entre Wendy et Fantôme. Retendez et puis n'abtenez après pour analyse et détail. Bonsoir les Top, bonsoir amis des internautes. Je dis à pour moi c'est un grand plaisir pour mon ami Collection Top et côté que moi je viens parler nous de Tego Bout Tonton Rappeur. Alors, je connais l'aime de Tego Bout Tonton Rappeur, il y a un pile fan là qui a demandé de qui est-ce monsieur pour aller parler. Alors, je suis capable de dire nous dans la parole là, il y a deux. Deux gros bout de tonton pour tonton. Alors yon qui c'est papa et puis l'autre là qui c'est wa. Alors depuis me dit papa me dit wa, nous qui t'envoie de qui est ce m'a parlé. Alors c'est Fantôme et puis Wendy. Fantôme c'est un nèg qui sorti loin, qui sorti bas et Konya qui devenait un père. Wendy c'est un nèg qui fait welly à travers internet là lui-même qui vient un kin à la qui vient un wa. OK, et pour me dire nous deux bout de tonton artiste ça moins capable de nous, nous t'a remé wayo sur un beat ensemble. Et moi je crois que ni fan Wendy yo ni fan Fantôme yo t'a remé wayo des nèg sa yo sur un beat ensemble, comprendre? T'a remé wayo nèg sa yo font un collab ensemble. Moi même c'est ça que me voulais, c'est ça que m'expérer qui fait que jounen jodi a m'vinn parler de deux belles artistes sa yo. Alors m'ta remé pour deux bout toto rapper sa yo sur un beat ensemble côté que yo pote un message pour jeunes de nos jours, pour jeunes kounya yo, parce que ça moi jeune yo a vivre kounya yo besoin des gros bout de tonton rapé ça yo comme conseiller. Alors et ta remé sur une musique pour musique ça c'est une musique qui parle de jeune yo, qui parle de avenir jeune yo, qui pour prouver jeune yo que yo pas dû décourager, une musique qui pour faire jeune yo revivre yo même, comprend? C'est sur une musique comme ça ta remé ouais des artistes ça yo et moi crois que tout fan yo tout ta remé tenter musique ça ta remé ouais et Fantôme avec Wendy sous yon track comme ça gens que moi même m'expérer là. Alors et m capable dire nous sincèrement et gens que m ta remet pour li parti c'est pour et Fantôme
a baillon refrain on comprend et puis Wendy entre avec un verse il expliquer qui j'ai que le tarin mes jeunes là et prend courage comment le tarin mes jeunes là et pas décourager avec bien malgré bien c'est pas facile pour le prouver jeune là qui vient pas facile parce que yo même yo sorti loin pour arriver là on comprend et puis pour le prouver jeune là et puis fantôme lui même la guerre refrain après ça pour fantôme entre avec Vespal et puis pour nèg yo seront collabo ça ensemble et puis a baillon jeune là yo conseil qui capable aider yo avancer et puis devant pour pas décourager avec vie. Alors moi je crois que c'est pas celle fan yo seulement qui t'a content, c'est pas celle fan fantôme, celle fan Wendy qui t'a content et parce que c'est le monde entier qui t'a content collabo ça. C'est tout le monde qui t'a content collabo ça. Comprends moi? Parce que moi même spécialement c'est ça que m'espérer, comprends, c'est ça que m'ta vle fait, c'est ça que m'ta remet et fan yo moi je crois que nous même tout n'a pas campé derrière, comprends derrière ça que m'dia n'a pas campé derrière et n'a relé vive, comprends? N'a relé vive pour musique ça parce que ça c'est une musique même capable de ça c'est seulement que m'a prétend. M'passe la privé dans oreille ni papa la privé dans oreille ni kinan et puis pour yo dégager yo et puis faire collabo et puis pour yo faire message la passer. Alors et m'pas prêter trop et m'a remercier Lexon Top pour si gros travail ça qu'il a fait et pour jeune yo pour capable des jeunes yo avancer. Alors merci Lexon Top, à la prochaine. Mesdames, messieurs, amis, familles fidèles, internautes, Lex on top yo, Wendy sou yon beat, Fantôme sou même beat là. Est-ce que c'est ap merveille? Est-ce que c'est ap krasé ça? Est-ce que c'est ap explosion? Est-ce que c'est ap quoi que ce soit qui capable bay moun envie mette du feu dans industrie musique haïtienne ou bien dans rap créole? Et bien, mesdames, messieurs, amis, familles fidèles, internautes, Lex on top yo, ou te get entendé comment invité nous, li même li t'a fait déclaration dans micro Lex on top et comment il t'a souhaité et vraiment apprécié l'introduction que invité en TFA. Eh bien, c'était vraiment super. Donc, lui montrer déjà comment qu'il pral parler de papa rap là, de king rap là. Eh bien, mesdames, messieurs, amis, familles fidèles, internautes, Lexon Topio, commentaire là, c'est pour vous. Quittez avis pao, quittez commentaire pao, pour dire son pensé. Est-ce qu'on pense vraiment vrai, capable de gagner collaboration ça? Est-ce qu'on pense vraiment vrai, si collaboration ça t'a fait, comment ou même ou t'as enjoy li? Est-ce que vraiment ou t'as pesé pour anegyo ou t'as dit mais qui est-ce qui bien passé ou t'as dit mais qui est-ce qui pif faible sur instrumental là et surtout si de next out t'as fait musique moi même opinion pam c'est que c'est un rap lourd un rap qui vraiment raide donc ou pas j'aime connais parce que c'est vrai que depuis nan et lancé 2010 2011 Wendy donc il était monté tout à taquiner Fantôme donc naturellement nous tout connais c'est pas conflit vraiment mais c'est un bif qui pas jamais campé donc naturellement dans chaque musique soit Wendy fait toujours montrer que l'envie la gonti coup de pique sous et Fantôme donc ça son bagay qui vraiment réel dans industrie musicale haïtienne ou bien dans rap créole ou bien entre deux messieurs ça qui c'est Wendy avec Fantôme et bien mesdames messieurs amis familles fidèles internautes Lexon Topio c'était opinion pas sous collaboration ça n'attend ni une ta souhaité au fait parce que connaît voix ça a privé dans oreille monsieur yo, et nous t'a souhaité vraiment que yo pensé avec une collaboration comme ça et public là t'a vraiment apprécié mesdames messieurs moi menou en pile et surtout n'attend très très vite dans l'autre émission surtout épisode numéro 23 sous Lexon Top. Songez que important pour channel là parce que ça ou même nous va arriver dans niveau que nous y est journée jeudi. Bye bye tout le monde, peut-être très très vite dans l'autre vidéo. C'était Lexon Top, toujours on top.